Francis Cabrel est l'un des chanteurs les plus prolifiques et les plus aimés dans l'Hexagone. Depuis près de 40 ans, il inonde les bandes FM de tubes aujourd'hui ancrés dans le patrimoine musical français, mais à l'instar d'une star comme Mylène Farmer, l'artiste se fait discret voire inexistant dans les médias. Peu de confidences, peu d'interviews, Francis Cabrel cultive le jardin de la discrétion. L'auteur-compositeur-interprète de La Corrida a tout de même failli à la règle en acceptant de se confier aux journalistes de Paris Match, en kiosque le 8 juillet 2021. L'occasion pour lui d'évoquer notamment sa notoriété. Une notoriété que le chanteur ne supporte pas vraiment. La chanson Les bougies fondues en est le parfait témoin. C'est celui que j'étais qui me manque le plus, fredonne-t-il. Oui, je parle de celui que j'étais, tranquille, avant que la notoriété ne me tombe dessus. Le succès m'a toujours pesé, encombré, voire un peu plus, explique-t-il. Francis Cabrel avoue avoir appris à vivre sa notoriété. Le chanteur aux millions d'albums vendus confirme que si tout était à refaire, j'y réfléchirais à deux fois. Je ne suis pas les Beatles à moi tout seul, mais la vraie discrétion, celle qui me plaît le plus, vers laquelle va mon tempérament, est vraiment contrariée par tous ces regards qui se posent sur moi par moments. Lucide sur son rôle d'artiste et de personnalité médiatique, Francis Cabrel avoue néanmoins avoir conscience que c'est le revers de la médaille. J'ai appris à vivre avec. L'exemple du chanteur discret, voilà comment nos confrères de Paris Match définissent le chanteur. Celui-ci prétend que ce n'est pas encore assez. J'admets qu'il faut faire de temps en temps l'effort de s'approcher des gens, raconte-t-il. Après chaque apparition télévisée, il avoue sentir revenir la vague. Revenant sur son image liée à son succès, il concède que la perte de l'anonymat est quand même une grande ombre au tableau. J'évite certaines rues, je ne pars pas en vacances dans certains endroits, afin d'avoir une vie de famille complètement anonyme, explique-t-il. Point à voir aussi, The Voice, l'énorme salaire de Jennifer révélé. À lire aussi Adblock Test, why?